her way. Heaven he now buys with the Milky Way, and friends and fly a rumble on the same way. Follow the trail and find a quiet place today. Toi, Sylvain, qui m'a remonté. Qui m'a remonté, mais elle était où ta parole? Elle était où? Bon, bah, je lui dis, mais non, mais qu'est-ce que tu insinues, quoi? Et il me répond pas. Alors, j'insiste. Oui, je sais bien. On rentre demain après-midi. De toute façon, Jean-Guy ouvre à 18h. Ah! Je t'entends plus, chérie. Ça capte pas bien par ici. J'essaie de te rappeler ce soir. Bisous, chérie. Alors? Comment va monsieur à la maison? Qui ça? Bah Marc, ton chéri. T'es con. Bah ça va. Il est... À la maison, je sais. C'est sûr, il aurait préféré que je reste. À la maison. Mais moi, le week-end, j'ai besoin de m'aérer la tête, plutôt que de glander. À la maison. Et puis au journal, j'ai pas trop le temps de respirer. C'est sûr, ça nous aide pas à trouver des moments pour nous. Je suis même obligée de ramener du boulot. À la maison. Tu sais, j'ai compté. Ça fait 1637 jours que vous êtes ensemble avec Marc. C'est bien que ça roule. Moi, si une histoire dure plus de 2 nuits, je considère déjà que c'est une relation longue. Tu te rends compte que dans toute ta vie, t'auras peut-être eu une histoire sérieuse, alors que moi, rien que le mois dernier, j'en ai eu 4. Non, 5. Non, mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ah, et puis je t'ai pas dit, jeudi dernier, je suis sortie avec ton copain, là, du boulot, Paul. Ah oui? Et alors? Ben... Sans déconner. Je finis par me demander si je vais pas me harponner à un gros Richard au boulot. Je me dis, peut-être qu'un jour, à force de conduire leur bagnole, il y en a un qui voudra pas que je lui rende ses clés. Et il m'emportera dans sa belle voiture blanche. Blague à part, j'en ai rencontré un super sympa à l'hôtel l'autre jour. Une belle Mercedes. Je sais pas ce qu'il fait pour gagner sa vie. Je crois qu'il donne dans le mécénat. Enfin, en tout cas, c'est sûrement pas ça qui lui paye ses costards et sa suite à l'hôtel. Eh ben voilà, tu l'as trouvé ton prince charmant. Elle est blanche sa Mercedes? Non, c'est pas du tout mon genre en plus. Mais juste, il m'intrigue. Il revient la semaine prochaine. Je vais essayer de le cuisiner un petit peu. En plus, il a un nom marrant, il s'appelle... Hé, les filles, j'ai trouvé un super endroit où s'installer. Vous venez? Notre couple est en péril, Émilie. Tu
Tu me saoules, tu me tatis. Mais comment veux-tu? Tu sais c'est quoi mon seul souci? C'est de dormir dans la tente avec toi. Et bien, et moi alors? Tu crois pas? Et moi, faut qu'on pousse déjà la belote, c'est la vie. Hein. Comment veux-tu que ça marche? Tu me saoules. Tiens, et moi je tire, tu pousses. Émilie, oh. Mais y du tien. On va pas dormir. On va pas dormir. On va 2 minutes. Émilie, aide-moi. Je vois bien que tu es coincée derrière les arceaux. Émilie, aide-moi. Elle va faire des merdes. C'était complètement con. Il y a longtemps que j'ai pas. Je savais que t'avais mal au cou. Mais c'est bon, j'ai pas pu me rendre comme ça. Bon, et les copains, on a apporté des munitions. Ouais. Bravo. Allez. Elle la va faire le son. Ah bah oui. C'est bon, bah. Okay. À la nôtre. Santé. Santé. Bah puis c'est comme l'autre jour, j'étais avec Cyril. Donc je lui ai apporté son petit déjeuner au lit. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? J'en ai baisé des meufs cet été. Mais toi? Tu finis pas le croissant, hein? Non mais enfin bon. Toi Isa, hein, t'en as une collègue des histoires comme ça. C'est pas faux. Loser. On les a déjà entendues 100 fois tes histoires, mais Sylvain les connaît pas. Vas-y, lâche-toi. Mais bon, je te préviens, c'est pas gratifiant pour tes collègues masculins. Quand ma mère me disait qu'il fallait pas coucher dès le premier soir, j'aurais dû l'écouter. Allez, c'est parti. Ça te dérange si je t'appelle Sabine pendant qu'on le fait? Non, t'es bien. Je suis juste un peu déçu. Pas fait comme ça. Et mais c'est à qui ce cheveu? Sophie? Angélique? Ça va bébé? Je t'ai pas fait trop mal. Il y en a beaucoup qui n'ont pas supporté, tu sais. J'ai pensé à un truc. On pourrait mettre ici la chambre des enfants. Eh mais attends, c'est à qui ce plan? Bon, en même temps, on était chez moi. Bon, bah allez, nous, on va aller se coucher. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et vous faites, Cécile, faut qu'on se voit pour l'anniversaire des parents. Oui, bah je me renseignerai. Ouais, tu réperdes? Ouais. Bon. Et bah bonne nuit alors. Bonne nuit. Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bouton? Je me suis encore fait piquer par une plante venimeuse.
doucement. C'est envoyé par monsieur Nicolas. Monsieur qui? Monsieur Nicolas, le propriétaire. Non, je suis avec des amis sur le chemin au-dessus. On est une dizaine et on passe toute la nuit là. On fait une randonnée. Et là, je voulais juste téléphoner, je cherche du réseau. Dans une grotte. En tout cas, vous avez pas pu vous promener toute seule comme ça à la recherche de la moindre lumière. Vous auriez aussi bien pu tomber sur un tueur sadique. Et vous, vous êtes bien installé là, chez monsieur Nicolas. Vous me faites visiter? C'est vite fait. On a le salon, là, la bibliothèque, le bar et puis la chambre. Ah bah c'est romantique. Non, ce serait plutôt Grèce ancienne. Même si on peut pas dire avec certitude si la faucille et le marteau sont apparus simultanément sur tous les continents. On considère aujourd'hui que l'art pariétal n'était pas un travail à part entière. Vous voyez, la sédentarisation et la domestication ont poussé le chasseur-cueilleur dans ses retranchements. Si vous voulez mon avis, les prémices de l'homme moderne datent du milliétique. Alors donc, vous êtes archéologue? Eh ouais. D'ailleurs, je viens de faire une importante découverte dans mes recherches. Ah oui? D'ailleurs, je vous offrirais bien un coup pour fêter ça, mais j'ai que du thé. Puis vous, vous êtes déjà équipé. Pardon? J'ai dit, vous avez amené de quoi vous vous occuper. Ah, ça! C'est pour se remettre de la randonnée. La bière, c'est plein de céréales. Enfin bon, c'est exceptionnel, je ne bois jamais. Et vous, quand vous ne venez pas le week-end, vous avez une grotte principale? Ouais, j'habite le quartier du canal. Je m'en suis la compagnie, tout ce qui n'est pas pelle et poterie. Si je devais toujours attendre après les randonneuses égarées. J'habite rue Ponceau, c'est marrant qu'on se soit jamais rencontrés. Oui, c'est bizarre ça. Pourtant, je sors assez souvent. Les enceintes de pierre mesurent entre 10 et 30 mètres de diamètre. Et le professeur Schmitt sait à présent qu'il devait y en avoir bien plus que les 4 déjà découvertes. Bonjour, c'est Fred, un répondeur, un message et peut-être un rappel. Moshi Moshi, Fredo, c'est Pierre. Un concert ce soir à l'atelier. Arrivez-vous bien. Révèle une chose encore plus inattendue. Bonjour, c'est Fred, un répondeur, un message et peut-être un rappel. Hey Fred, on se ferait pas un petit ciné ce soir? C'est Pierre, tu me rappelles? Et peut-être un rappel. Mon Fredo, c'est Pierre. Tu me rejoins tout à l'heure chez David? Il y a une soirée. Bon, je te laisse, j'ai des sushis sur le feu. Alors, mon grand, tu m'as ramené du linge? Bonjour, maman. Mais moi, je suis plutôt casanière.
Mais avec tout ça, vous n'avez pas pu passer votre coup de fil? Oh non, mais c'est pas grave, ça peut attendre. Et puis de toute façon, j'ai plus de batterie. Ah bah attendez, j'ai une multiprise sous le canapé. Tu te dépêches, là? Bonjour Cécile. Bonjour. Dis donc, je me suis endormie comme une masse hier. Je t'ai même pas entendu rentrer. Quoi ça? Ben, tu vois, pendant que tu ratais ta vie avec Paul jeudi, ben Marc s'est mis à genoux. Musique, champagne, pétales de fleurs. Tout comme on rêvait au collège, tu te souviens? Alors c'est pour quand? On n'a pas vraiment fixé de date, mais Marc certainement. Attends, tu vois?